Vous avez dit « aimez-vous les uns les autres ?» La Bible et plus encore le Nouveau Testament se veut un livre d'amour et de fraternité. Pour preuve, le fameux commandement « aimer son prochain comme soi-même » et cet autre complémentaire « aimez-vous les uns les autres ». Alors l'exhortation se retrouve en divers endroits, mais en particulier dans l'évangile de Jean, qui peut passer pour le chantre de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est Jésus qui parle au chapitre 13, verset 34. La sentence invitant à l'amour mutuel, bien que souvent citée, s'accorde mal à nos temps de conflits et de haine, d'où l'emploi ironique ou parodique, même dans la bouche de Jean-Paul II pour la bonne cause toutefois. Aidez-vous les uns les autres à propos des pays de l'Est en janvier 90, ou plus cynique, mangez-vous les uns les autres, tuez-vous les uns les autres, etc. Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Desallemand et Yves Stalloni, paru aux éditions Chênes.